Ça n'a pas bien marché, donc je reprends. Voici la tête blanche, le petit père qui vient me voir. Voilà. Donc là, comme vous voyez là, c'est ce qu'on appelle nous une panachure envahissante. Ça part de là jusque là. Ça dépend comment on brasse le poil. Vous voyez, de temps en temps, ça ne se voit plus. C'est quelque chose qui ne se verra plus du tout adulte. Et plus ça va grand, plus il va grandir, moins ça se verra de toute façon. Ça, c'est ce qu'on appelle des petits panneaux. Ce n'est rien du tout. Vous voyez, par contre, ça sort. Voilà, ça sort. C'est une plus grosse panachure envahissante. Vous verrez, elle adulte, ça se verra encore ce petit point-là. Quand dit que lui, même pas, ça se verra. Donc, vous voyez, c'est ces gros pépères. Ces gros pépères. Mmh, gros pépères. Donc, ça, c'est le gros pépère dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, ma puce. Alors là, ils ont décidé de venir me voir. Eh, bonhomme. Voilà. Voilà. Comme je vous disais. Bébé. C'est compliqué. Voilà. Vous voyez mon pépère. Quand on le met sur le dos, même pas peur. Voilà. C'est mon doudou. C'est gros doudou, ça caresse. Vous voyez, c'est pas un gros dominant, c'est un gentil. Ça, c'est ma tête blanche. Voilà la petite tête blanche. Celui que vous entendez qui pleure tout le temps, c'est la petite oreille noire. Voilà. Donc, qui est beaucoup plus. Oui, mon pépère. Alors, lui, c'est le chien. C'est ce que je vous disais qui est très, très. Il faut qu'on s'occupe de lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment. C'est un gentil chien, mais il faut savoir que lui, il faudra s'en occuper. C'est-à-dire que le laisser tout seul en appartement, je ne suis pas sûre que ça le fasse beaucoup. Et puis, ce qu'on appelle, nous, le petit sans-queue, pala, pala, pala. Oups, voilà, je me tourne. Oh, excuse-moi, mon bonhomme. Ah oui, mais il faut que je vous évite, alors c'est pas simple, hein. Donc là, voilà l'autre. L'autre petit boubou, qui est mignon comme un jour aussi. Qui est aussi calme. Oui, mon chéri. Oui, mon chéri. Oui, mon doudou. Tu veux mon. Ah oui, vous avez mal aux dents. Ouais. Qu'est-ce que t'as, mon pépère? Ah, bah, évidemment, ma tête blanche qui est là. Oui, mon pépère. Oui, mon doudou. Alors, vous voyez, c'est un petit gentil aussi. Après, c'est une question d'esthétisme. Hein. Voilà. Alors, je vais faire le test sur le dos, lui, comment ça se passe. Tu vois? Et là. C'est quelque chose que t'as pas l'habitude, je sais. Bon, il est moins décontracté que l'autre, mais ça le fait bien aussi. Hein, tu veux bien. Hein, tu veux bien aussi, il n'y a pas de problème. Oh oui. Tu veux jouer, hein? Tu veux jouer. Donc voilà. Oui, mon doudou. Puis toi, tiens, viens là, toi. Viens là, ma terreur des bacs à sable. On n'a pas fait le test sur le dos, toi. Ouais, viens là. Oh, tu pars. Mais bon, lui, ce qu'il cherche, c'est tété, c'est jouer. Vous voyez, c'est les caractères. Vous voyez, il est un peu plus tonique, celui-là. De toute façon, vous l'avez dit, c'est pas du tout la même chose. Donc, on reprend. Oreille noire, que je vous disais qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Voilà, il a besoin de lui. Vous voyez bien comment il est. Arrête, bonhomme. Mon sans-queue, qui a le gros cocard, qui a le gros cocard. Arrête de me prendre mon téléphone. Quel gros cocard. Et puis ma force tranquille. Donc la tête blanche qui est là, qui est. Alors lui, il lui faut une peluche. Hein. Alors lui, s'il n'a pas sa peluche pour dormir, ça va pas. Donc là, il est parti à dormir. Voilà, à vous de. Si vous avez besoin de vidéos de supplémentaires, on en refait d'autres. D'accord? Je suis à votre disposition.